ministre ainsi qu'avec le SICIAN et avec une partie des députés euh, femmes actuelles et aussi des anciennes, euh, notamment euh, lors d'une des sessions du Parlement qui a eu lieu en mars 2022. Donc cette étude n'est pas encore achevée, il me manque encore plein d'informations et notamment là en préparant <laughs> cette première présentation, je me suis quand même aperçue euh, de questions que je n'avais pas traitées, je vais un peu soulever au fur et à mesure. Voyons d'abord un petit peu ce que les femmes étaient dans le politique euh, au Tibet traditionnel, euh, très rapidement. Hein. Donc, dans le passé, c'est-à-dire durant le règne de Pojang, aucune femme ne faisait partie de l'appareil politique. Seuls les hommes pouvaient occuper euh, des positions officielles. Cependant, on sait que certaines femmes œuvraient en souterrain, souterrain c'est-à-dire donner euh, leurs avis ou étaient consultées par leurs maris dans les affaires politiques. Il y avait aussi quelques femmes. Plutôt exceptionnel, qui avait du pouvoir politique dans le passé, pas forcément dans le Kanepoja. On peut par exemple citer Timaleu, l'épouse du souverain Mangtson Mangtsen, euh, petit-fils de Songtsen Gampo, qui a pris la tête du gouvernement après la mort prématurée de son mari en 676. Son fils, sang étant mineur à l'époque, elle a même continué à euh, elle, elle, a, elle a même continué à œuvrer encore dans la politique euh, à sa majorité pour l'aider à se défendre contre les conspirations du plongard. Donc, Alors, on est un peu chanceuse, on n'a pas encore dans le programme actuel, mais on a une chercheuse tibétaine en France, Kamatsu, qui travaille sur Timae et qui va, j'espère bien, nous faire aussi un exposé sur elle. Mais je voulais la mentionner quand même parce qu'elle est importante. Euh, il y avait aussi la reine Sewang Lamo euh, de Degé, qui a remplacé son mari défunt avec succès. Son fils n'avait que 4 ans à l'époque de sa prise de pouvoir. Donc là, vous pouvez lire un article de Jane rones euh, Jan euh, qui est paru dans la Revue d'études tibétaines pour plus de euh, détails sur cette reine. Enfin, il y avait les trois Dolma au Kham euh, sur lesquels euh, a écrit euh, Yujo Tsumu, euh, Kangsa euh, ou Dolma, le nom de Dolma, de Ganze. Euh, qui était la seule enfant du sixième chef de kangsan ujok Punsok et, euh, euh, et devint donc chef à la mort de son père quand elle a 21 ans. Son mariage avec le prince de Dege se passait mal, et après avoir divorcé, elle a pris le règne avec la promesse de le laisser à son fils à sa majorité. Mais celui-ci meurt également prématurément, et elle reprit la, le règne jusqu'à l'arrivée à majorité de sa petite fille, à nouveau une fille seulement. Kongsa Dechen Wangmo, qui est assez connue aussi dans le Cam, parce que euh, parce qu'elle a fait beaucoup œuvrer dans la politique. Mais euh, sa mère, euh, sa grand-mère aussi. Et puis la troisième, Jaga Tse qui devient chef quand son mari, l'un des quatre ministres en chef de Degue, est empoisonné en 1906 ou 7. En tant que chef de la famille de Jagaï, elle, elle participa éga, euh, aux luttes de pouvoir à Degue et a aussi laissé son nom par rapport à ça. D'accord. Donc, il y a certaines conditions pour le règne de femme, celui du décès de mari, et quand le fils héritier est encore trop jeune, ce sont les femmes qui reprennent, aussi parfois quand c'est euh, une fille qui est le seul enfant, et donc héritier de la position, et éventuellement quand, euh, quand, quand il y a besoin d'aide familiale pour le pouvoir. Ce sont d'ailleurs les mêmes conditions qu'on trouve euh, en Occident pour le règne des femmes, ou des reines plutôt. J'avais assisté à une conférence où ça avait été bien souligné, euh, ces conditions-là aussi. À ce titre, il y avait probablement même beaucoup plus de femmes encore qui, à un moment donné, dans l'histoire tibétaine, ont dû remplacer leur mari ou père. Par exemple, des petits exemples dans, dans l'histoire de vie de Tsering euh, Dampa qui était là récemment au, euh, au, au colloque sur les femmes. Là aussi, une de ses, euh, sa grand-mère, je crois, euh, avait pris euh, le règne euh, en attendant euh, la majorité de son fils. Mais l'historiographie nous, nous a laissé peu d'informations à leur sujet. Souvent, elles sont mentionnées quand tout petit ou même pas du tout. Mais venons maintenant au Tibet, ou enfin, au tibétain en exil actuel. Donc, quelques mots peut-être sur la démocratie. Je ne sais pas si vous connaissez tous la démocratie tibétaine, comment elle a évolué. Je vais y aller très très rapidement parce que j'ai pas le temps de développer. Je ne vais pas prendre tous les points, mais les points importants quand même pour comprendre ensuite euh, le sujet des femmes. Donc, le euh, Dalai Lama arrive en Inde euh, au mars 1959. Euh, en juin 1959. Il rejette l'accord en 17 points lors d'une conférence de presse à Moussouri. Et euh, en septembre euh, 1960, un an après, à peu près, il y a la première élection d'un parlement, appelé à cette époque Commission of Tibetan People's Deputies. Euh, il y a 13 députés euh, qui sont élus, trois de chaque région et quatre pour les écoles bouddhiques, donc un par, euh, par école. Euh, à savoir que les Bumpo n'ont pas encore de siège à ce moment-là. Aucune femme est élue, mais les femmes ont le droit de vote. Donc, bien avant que les femmes dans certains pays euh, européens, par exemple, en Suisse ou Portugal, où les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Euh, en 1961, il y a une première ébauche d'une constitution qui est écrite par le Dalai Lama. Et en 1963, la première version de la constitution est promulguée. En 1964, il y a donc la deuxième élection d'un parlement euh, avec cette fois-ci trois sièges réservés pour les femmes parmi les sièges provinciaux. Donc si les sièges passent de 13 auparavant à 17, donc on rajoute trois pour les femmes et on rajoute un autre siège qui, qui est en fait un siège qui est nommé directement par le Dalai Lama, où il ne s'agit pas d'un élu. En 1974, il y a l'abolition de la réservation du siège pour les femmes ce qui se montre euh, très négatif finalement, puisque de 1982 à 1990, donc pas tout de suite derrière, mais quelques années après, aucune femme est élue au Parlement. Euh, en 1991, il y a l'adoption euh, de la charte des Tibétains en exil. C'est en quelque sorte une nouvelle constitution, tout est réécrit, le Dalai Lama il a repensé, il a fait ses premiers voyages en Occident entre-temps, il s'est entretenu avec différents politiciens et il décide donc de changer la charte et de, rendre, enfin, de mettre plus d'éléments démocratiques, si on veut, dans, dans, son, dans le gouvernement en exil. Donc il y a entre autres l'adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aussi un retour de la réservation des sièges pour les femmes cette fois-ci deux pour chaque province, et en fait le Parlement euh, devient aussi euh, plus nombreux, donc ce n'est pas forcément euh, que les femmes au pourcentage sont beaucoup plus, mais euh, il y a un Parlement beaucoup plus important, je reviendrai après dessus. Il y a aussi quelques critiques par rapport à, par rapport à cette charte, euh, notamment euh, mise à l'écrit par euh, le professeur Dawa Norbu, qui, euh, vivait encore à l'époque. Euh, L'une des criti critiques, c'est euh, le patrimonialisme, notamment euh, la domination par les Yapchi euh, dans la politique. Euh, à l'époque, par exemple, les ministres étaient encore tous nommés par le Dalai Lama lui-même et pas, et pas par euh, un premier ministre élu. Donc, c'était le Dalai Lama qui remplissait un peu cette fonction-là, euh, aujourd'hui. Euh, euh, est donnée au Premier ministre. Il y avait aussi peu de participation de la part du peuple, en général, dans la politique, un manque d'institutionnalisation des valeurs démocratiques, euh, un système judiciaire euh, qui ne peut pas appliquer les décisions dans les tribunaux. Il y a un, un tribunal tibétain, mais qui ne peut pas faire grand-chose quand il y a crime parce qu'ils n'ont pas vraiment euh, les moyens. Pas la compétence Juste pour vous dire que pas tout le monde était d'accord. Je... Euh, là, juste une vue un peu d'ensemble de l'administration tibétaine, l'administration tibétaine centrale, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Hein, donc je saute quand même un petit peu dans le temps, je ne vous mets pas tous les détails de changement, juste pour comprendre un, un, ensuite un peu mes femmes derrière. Donc il y a un exécutif, le Kashak cabinet, avec un Premier ministre aussi qui est élu. Euh, Jusqu'en euh, 2012, et le retrait, le départ à la retraite du Dalai Lama, c'était encore le Kalantipa, appelé euh, Kalantipa, mais le Dalai Lama, quand il est parti à la retraite, il a pris son, le nom de son gouvernement, Ganden avec lui, et euh, on a renommé euh, le Kalantipa en Sikyong, mais c'est à peu près la même. Enfin, euh, Dans la tête des Tibétains, c'est encore une fonction assez similaire. Hein. Donc il est élu tous les cinq ans. Et la première élection d'un Kalun Tipa à l'époque a eu lieu en 2001. C'était le professeur Samdongrinpoche qui avait été élu. Euh, le Sikyang ensuite nomme les ministres, les Kalun, qui sont au nombre maximum de sept et qui doivent être tous approuvés par les députés à au moins 50% des votes. Donc, il y a euh, sept ministres, parce qu'il y a sept départements ou ministères, si on veut euh, le département de la religion et de la culture, le département de l'intérieur, le département de l'éducation, euh, celui des finances, celui de la sécurité, et le département des informations et relations internationales et le département de la santé. Euh, il y a aussi un appareil législatif, donc le Parlement en exil, avec aujourd'hui 45 membres élus entre temps il y avait encore des nominations ouais. mais aujourd'hui euh, tous les 45 membres euh, membres sont élus euh, il y a 10 députés pour chacune des provinces donc ça fait 30 deux députés pour chacune des quatre écoles bouddhiques plus euh, deux euh, députés pour les bumpo donc ça d'ailleurs euh, c'est euh, c'est grâce à une femme parlementaire qui y a des euh, députés bumpo déjà depuis 1964 euh, de, euh, 1960 c'est la maman de Tsering Mou Dampa qui, qui a insisté pour que les Bumpos ont aussi des sièges. Ça n'a pas été accepté du tout au départ, mais comme il y avait une voix quand même pour, bah, ça a été remis euh, sur l'agenda à, à la prochaine session parlementaire et peu à peu, euh, ils ont gagné plus de voix pour euh, et les femmes ont été éliminées, mais les Bumpos sont rentrés voilà et deux députés pour la diaspora en europe, deux pour l'amérique du nord, pour le canada et amérique du nord, et un député pour l'australie. il y a aussi un pouvoir judiciaire avec une commission judiciaire suprême qui est nommée et qui, comme je l'avais déjà dit, n'a pas énormément de pouvoir. plus, il y a les délégations. Office of Tibet, euh, qui se trouve à New York, Londres, Paris, Zurich, Tokyo, Delhi et, au et en Australie, avec euh, des membres qui sont tous nommés par le Sikyon. Et puis, euh, aussi très important, enfin euh, important pour aujourd'hui, pas forcément important dans l'administration administration tibétaine, mais important pour les femmes, c'est le Women's Empowerment Desk, qui est un tout petit bureau qui, se trouve, qui a été enfin, d'abord fondé en 2006 sous euh, samon remboché, donc, et euh, qui fonctionne aujourd'hui sous le département des finances, euh, et euh, qui s'occupe, enfin, qui est censé s'occuper euh, de l'égalité homme-femme. mais ce petit bureau fonctionne surtout euh, sur des fonds propres reçus par des donateurs étrangers, hein, donc très aléatoires. il n'y a pas de grand budget donné euh, par euh, l'administration euh, et un conseil mais il y a aussi un petit conseil d'administration qui est constitué de différents salariés de, de, de l'administration tibétaine, mais qui ne sont pas très actifs dans, dans le fonctionnement de ce women's empowerment desk. mais je vais y revenir. non. j'arrive aux femmes au parlement. Donc d'abord, quelques conditions. Il faut avoir au moins 25 ans pour euh, se faire voter et avoir été nommé par la communauté tibétaine. Donc chaque fois qu'il y a des élections, il faut d'abord nommer, enfin là, c'est les provinces ou les écoles religieuses qui nomment certains candidats. On met les candidats ensemble et on choisit parmi euh, tout, enfin pour chaque province par exemple, on choisit euh, 20 candidatures euh, pour les mettre ensuite en élection. Hein, 10 élus et une vingtaine de candidatures qui sont retenues, celles qui, qui ont plusieurs voix déjà en amont. Autrefois c'était d'ailleurs le Dalai Lama aussi qui décidait ça, mais aujourd'hui c'est vraiment fait de façon démocratique. Il y a donc un quota de deux femmes sur dix candidats par province, ce qui fait théoriquement euh, un minimum de 13,3% des sièges réservés aux femmes. En réalité, euh, par contre, il y a beaucoup plus de sièges que le quota, avec une moyenne de dix sièges par élection depuis la fin des années 90, ce qui fait donc ces 22,2%. Pour apprécier ce chiffre, il faut regarder un peu aussi de façon comparative. Euh, donc le taux moyen global dans le monde de, de femmes au Parlement s'élève à 26,4%. Donc c'est légèrement plus que ce qu'on a là chez les Tibétains. Et euh, pour voir un peu plus en détail, en Inde, il est par contre nettement inférieur à 14,9%. En Chine, il est un peu supérieur à 24,9%, mais on sait très bien qu'on ne vote pas en Chine. Euh, c'est uniquement des nominations. Au Népal, il est supérieur à 33,6 et en France, il est à 37,3%, euh, euh, juste à titre euh, indicatif. Euh, par contre, il y a aussi des assemblées locales, c'est-à-dire les euh, dans les, euh, dans les euh, colonies tibétaines, les settlements. Il y a les settlement officers et les camp leaders et, euh, qui euh, qui, qui font les assemblées locales. Et là, par contre, il n'y a aucun quota pour les femmes. Donc, euh, le résultat, enfin, je ne sais pas si c'est le résultat, en tous les cas, il y a une sous-représentation très importante au niveau euh, de, des assemblées euh, locales. Et ça a été déjà noté par la Tibetan Women's Association en 2005, et il semblerait que ça n'a pas, pas énormément changé. Bien que le sikkhyong, il m'a dit autre chose récemment, mais euh, pas le Women's Empowerment Desk ni la Tibetan Women's Association. Donc c'est à vérifier, c'est là où j'ai pas encore fait des recherches. Voici aussi quelques exemples juste pour que vous puissiez vous imaginer un petit peu comment ça marche. Donc là, c'est les affiches électorales, hein, les campagnes d'élection. Euh une, hein, souvent les femmes, elles ont plusieurs posters qu'elles postent, soit sur Facebook, soit sur Twitter. Non, Twitter, c'est moi. Facebook, YouTube est utilisé énormément aussi. Et évidemment, dans la rue, hein, à Daramsala, dans le quartier du gouvernement Ganki, euh, il y a énormément d'affiches lors des périodes d'élection. Mais comme ça a eu lieu pendant le Covid, ben, je n'ai pas pu faire monter terrain à ce moment-là. Euh, donc là, on a de gauche Yujon Okatsang, j'y reviendrai. Euh, qui est une députée très aguerrie, euh, élue euh, pour son quatrième mandat pour le CAM. Euh, ensuite, au milieu, il y a Kessin, qui est une féministe et écrivaine, euh, qui finalement n'a pas été élue, peut-être parce qu'elle est encore très jeune, enfin c'est la question, peut-être parce qu'elle est féministe et très... Euh, euh, très vocale et que ça n'a pas plu, éventuellement, je ne sais pas, c'est à se poser la question. Et puis euh, la dernière, c'est Dolka Lamo, euh, ex-secrétaire du Tibetan Youth Congress, qui s'est présenté pour l'Amérique du Nord et qui n'a pas été élu non plus. Euh... Donc, euh, c'est un peu typique de la jeune génération, je dirais. Euh, autrefois, dans les élections, on n'avait pas des, des posters, des affiches. À ce point. Enfin, on en avait dans la rue, mais pas sur Facebook et autres réseaux so sociaux. Donc, pour apprécier la participation des femmes, il ne faut pas seulement considérer le nombre de sièges occupés, mais aussi le taux de rotation des parlementaires. Euh, je cite ici Afifia à ce sujet qui écrit, les candidats hommes et femmes qui n'effectuent qu'un seul mandat au Parlement ont du mal à acquérir de l'expérience et à devenir des législateurs efficaces. C'est particulièrement le cas pour les parlementaires non élites dont les carrières antérieures ont été moins exposées à la vie politique. Donc, euh, pour les parlementaires tibétains, le taux de rotation est relativement faible, donc a priori positif pour les femmes, bien que... Euh, là on a enfin, les chiffres que j'ai calculés donc il y a 73% des femmes qui ont été réélues par rapport aux élections de 2016 et 82,3% des hommes c'est supérieur mais quand même le chiffre 73 est assez euh, respectable par rapport à d'autres gouvernements dans le monde à savoir que pour les hommes aussi ça tient beaucoup aux moines parce que chez les religieux donc ce sont 90% des sièges qui <laughs> qui ont été réélus exactement les mêmes députés. Euh, là aussi, donc voilà, donc ça c'est les chiffres, les derniers chiffres, si vous voulez, de, de 2016 à 2021. Il faut regarder aussi un peu en détail qui sont ces femmes députées, en fait, qui ont fait plusieurs mandats et acquis une certaine expérience. Donc voilà quelques exemples. Il euh, y a d'abord Kirti Jokalamo. Oh. Ex-présidente de la Tibetan Women's Association, qui a été élue cinq fois après euh, 1991, donc assez tôt, et euh, qui a finalement démissionné en 2013. Il semblerait qu'elle euh, qu a migré vers les États-Unis, non, le Canada, je crois. Ensuite, il y a Dolma Tsering qui a aujourd'hui euh, 66 ans, euh, qui est une ex-professeure d'histoire, Géo. Euh, elle a travaillé en tant que professeure pendant 26 ans. Elle a été élue cinq fois depuis 2001 euh, pour la province du Hutsang. Et euh, depuis 2021, elle a été également élue Deputy Speaker. Hein, donc, il y a le speaker, le, non, euh, oui, le speaker et le Deputy Speaker aussi dans le Parlement. Ce sont des positions élues, mais euh, parmi les députés oh seulement. Et donc, elle a été élue euh, pour, euh, pour ce, ce poste-là. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes là non plus. Donc, c'est très bien. Euh, donc, dans un entretien, elle me raconte que ses parents l'ont toujours encouragée à rêver en grand. Et c'est pour cela aussi qu'elle a d'abord décidé de devenir professeure d'histoire géo avant d'entrer dans la politique. Aujourd'hui, politicienne, ses enfants lui ont demandé pourquoi la politique, la politique est sale. Mais elle leur dit régulièrement que la politique, pour eux, les Tibétains, c'est la cause tibétaine et qu'il faut agir pour son pays. Elle n'a jamais dépensé d'argent pour les élections, ni posters ou images. Elle a son WhatsApp, mais c'est tout. Elle pense qu'il faut croire en soi-même. Quand vous faites votre travail, vous êtes dans le cœur des gens. Le service est plus important. Et elle encourage toutes les femmes, partout où elle va, elle offre des katas et leur dit de continuer à faire du bon travail. Ensuite, il y a Yichen qui a servi à la commission d'élection de Chushi Gangchuk, la L'association qui fonctionne encore pas mal et euh, euh, qui accueille aussi les ex-prisonniers à Salah. Euh, elle a été élue cinq fois depuis 2001 euh, et euh, pour euh, donc, euh, le CAM. Et ensuite, on a donc Yugen Okatsang, élue quatre fois pour euh, le CAM. Elle a un parcours un peu atypique pour un Tibétain né en exil. Elle a été éduquée dans des écoles occidentales missionnaires en Inde et elle a fait un deuxième master aux États-Unis. Elle a ensuite travaillé pour une ONG internationale implantée en Hollande avant de joindre la politique tibétaine. Elle vient en outre d'une famille politique. Son père, Jampa Kalden Okatsang, était secrétaire au département de la sécurité et son frère, Kesang Dorje Okatsang, ou Kedo, a occupé plusieurs postes sous le précédent gouvernement avant de se présenter aux élections de Sikkim en 2021. Et c'est yu qui avait alors aidé dans sa campagne. Euh, yu dit, euh, et je la cite, j'ai été élu au, au Parlement tibétain en 2006 pour la première fois alors que je travaillais pour la Fondation Keda. À ce moment, personne ne faisait de campagne électorale. C'était en grande partie dû au, ré, au siège réservé. Les gens ont donc dû penser à moi. J'aime les campagnes dans le travail parlementaire. Je pense que je suis bonne dans ce domaine. Elle rapporte aussi que dans le passé, les députés femmes ne se faisaient pas entendre. Mais chaque année, elle montre plus de force. Au début, tout le monde pensait que les questions relatives aux femmes n'étaient pas essentielles. Certains pensaient même que c'était une construction occidentale. Elle se considère elle-même comme féministe et est consciente de la discrimination sexuelle. Pour elle, il y a eu des changements, mais pas autant que ça. Pour ce qui est des questions relatives aux femmes au Parlement, elle dit :« En tant que femme, nous n'avons jamais abordé ensemble les questions relatives aux femmes. Nous sommes amis, mais nous ne travaillons pas sur des questions communes. En tant que femme, j'ai l'impression que nous devons être ensemble, mais ce n'est pas le cas. Même la Tibetan Women's Association gère mal ces questions. Parfois, en tant que femme députée, nous sommes d'accord sur certaines choses, mais nous ne les abordons jamais ensemble. Les députés travaillent plus ensemble au niveau provincial. » Donc, se soutiennent en fait euh, entre les provinces à savoir que, euh, on me dit qu'il y a aussi euh, des, des alliances là entre Amdo et Utsang, contre Kham pas mal à savoir que nombre de religieux sont Kampa et, et vont de ce côté donc c'est plutôt euh, comme ça que fonctionne la politique euh, tibétaine que euh, sur le rapport homme-femme elle pense en outre il devait y avoir plus de femmes au parlement personnellement je n'aime pas le quota de réservation, elle dit que vos propres qualifications ne sont pas prises au sérieux. Aujourd'hui, nous les femmes sommes toutes aussi éduquées, si ce n'est pas plus. Donc nous sommes aussi capables ou en oh, oh. conséquence, quand le quota de réservation ne devrait pas exister. Mais la vérité est que s'il n'y a pas de quota, les gens ne voient pas les femmes comme des chefs lorsqu'il y a des décisions à prendre. Et en effet, selon un rapport récent du euh, Women's uh, Empowerment Task sur le statut des femmes tibétaines, la majorité des Tibétains, femmes comme hommes, estiment que les postes de direction doivent être occupés par des hommes, car les femmes sont timides et manquent de confiance. Nécessaire. Je reviens sur ma liste. Euh, la prochaine, c'est donc Dolma, qui est une femme d'affaires. Beaucoup de succès. Elle est ex-membre exécutif de la Tibetan Women's Association et ex-présidente de l'association euh, Dome. Euh, donc, Amdo, donc il y a des associations aussi provinciales hein, à Daramsala. Et elle a été élue euh, quatre fois depuis euh, 2006. Et puis, la dernière ici, euh, Gadi Doma, qui a été euh, également élue quatre fois après 1991 euh, pour le CAM. Elle a été également élue Deputy Speaker de 2001 à 2011. Euh, et dans ce sens-là, elle était la première femme deputy speaker euh, tibétaine dans, dans, dans ce gouvernement. Et, mais je reviendrai sur elle plus tard parce qu'elle est l'une des actuelles ministres et donc il y a beaucoup plus de choses à dire sur elle. Je vais maintenant passer aux femmes au poste de ministre et secrétaire. Hein. Donc il y a dans les, dans les départements, il y a donc le poste de ministre nommé par le Sikyang, qui est le plus important. Et en dessous, il y a le secrétaire, qui fait beaucoup de travail aussi et qui a aussi une certaine importance. Donc, j'ai inclus aussi les secrétaires. Donc, au départ, c'est-à-dire durant les trois premières décennies de l'exil, aucune femme est promue au rang des ministres et seules deux sont nommées secrétaires au département de la Santé. Donc, je parle avant la charte, avant 1991. Et euh, ces femmes secrétaires étaient Kesang Yanki Takla, euh, qui, qui, euh, qui a fait euh, une carrière brillante comme secrétaire et traductrice d'abord au département de l'intérieur et puis à TCV, euh, l'école des Tibétains, à Dharamsala, et en tant qu'administratrice administratrice de l'hôpital Dele. Elle a ensuite occupé le poste de secrétaire aux relations internationales de 2007 à 2011 et pendant un court laps de temps, elle était ministre de la santé. Donc ça, c'est après. Hein. À cette époque-là, elle était juste. Mais elle a grimpé encore plus, donc euh, pour devenir secrétaire aux relations internationales de 2007 à 2011 et euh, aussi euh, de la santé, euh, mais de euh, façon plus courte en 2007. Elle est la plus ancienne politicienne tibétaine, ayant travaillé également en tant que représentante de sa sainteté le Dalai Lama pour l'Europe du Nord et euh, au Taïwan, à Taïwan. Et puis la deuxi deuxième, Namgyal Lamotakla, qui est donc de la famille Tsarong et qui est mariée à l'un des frères aînés du Dalai Lama, l'Obsang Samten, elle est... Euh... Elle est donc euh, secrétaire au département de l'éducation. elle est devenue plus tard secrétaire au département de l'éducation et de la finance, euh, à la fin des années 90. Donc, c'est seulement après la promulgation de la Charte tibétaine en 1991, et un remaniement aussi du, de tout le fonctionnement en fait de l'administration, qu'on voit plus de femmes apparaître dans la politique. Certaines politiciennes disent que c'est le Dalai Lama qui voulut ainsi, leur a donné cette chance. Euh... Donc, les premiers ministres femmes sont nommées dans les années 90. Euh, la toute première, c'était Pema née en 1940, euh, que vous connaissez peut-être tous. <laughs> c'est la sœur du Dalai Lama, la plus jeune sœur qui a d'abord repris la présidence sur les Tibetan Children's Villages après la mort de sa sœur aînée, qui les avait fondées, Sering Joyma, euh, en 1964. Euh, elle a été également candidate à l'élection primaire, d'ailleurs, du premier ministre, Kalu Tipa en 2011. Et elle était ministre, donc, de 1990 à 1993, au département de l'éducation. Euh, Jetsun Pema est ensuite remplacé au département d'éducation par Rinchen Kanjo euh, de 1993 à 2001. Euh, Celle-ci occupe également le poste de ministre d'intérieur pendant la première moitié de l'année 1993. Rinchen Kanjo euh, Chögyal est mariée au plus jeune frère du Dalai Lama, Yarri Rimpoche et elle a présidé la Tibetan Women's Association avant de fonder et présider le Tibetan Lands Project dont elle s'est retirée tout récemment en 2020. Donc, toutes les deux sont ce que les Tibétains ou certains Tibétains reprochent un peu euh, au, euh, à l'administration tibétaine centrale, c'est euh, cette mainmise des, des familles Yapchi euh, du Dalai Lama euh, sur le gouvernement. Donc, là, on a deux, euh, deux exemples typiques, bien que Rinchen kanjo se considère pas du tout euh, comme Yapchi, elle marié s'est mariée dans la famille, elle ne vient pas elle-même de cette famille. Enfin, la troisième ministre, c'est Yankee Samkar, euh, qui est nommée nommé ministre au département de la santé de 1996 à 2001. Et elle d'abord une carrière. Euh, elle a commencé une carrière au gouvernement, euh, à l'administration tibétaine en exil très tôt, à l'âge de 16 ans, euh, tout comme d'ailleurs euh, Yanki Takla que je viens de nommer euh, dans le cadre des secrétaires. Et puis, elle a gravi les échelons, travaillant en tant que directrice de l'hôpital d'Elec, en tant que secrétaire de l'éducation de 91 à 93, avant d'être nommée ministre. Donc là, plutôt sur un mérite. Donc... Euh donc pour revenir aux dernières élections, euh, non, pardon, non, donc ça, ça c'est les années 90, là je viens aux années 2000. Donc en 2001, c'est la première élection d'un Premier ministre, à l'époque encore Karl tipa c'est Samdong Rinpoche. Son premier con cabinet consiste uniquement d'hommes, il n'y a plus de femmes, ainsi que des secrétaires qui sont tous des hommes, plus de secrétaires femmes aussi. Dans son deuxième cabinet, il a été réélu donc en 2006, euh, euh, il y a une femme, euh, Kessang Yankitakla, au département d'information et de relations internationales. Et pendant un très court laps de temps, euh, une autre secrétaire à la santé, euh, Kessang Dakpo. Euh, toutefois, c'est Sangdung Rinpoche qui a créé le Women's Empowerment Desk, euh, avec aussi la première euh, Women's Empowerment Policy, euh, donc euh, pour gérer euh, l'égalité homme-femme dans le gouvernement. À savoir que cette Women's Empowerment Policy, qui a été révisée depuis en 2018, euh, à l'époque stipulait en première phrase euh, de toute manière, nous les Tibétains, nous n'avons pas de problème d'égalité homme-femme. Donc ça commençait comme ça, sa politique. Ça a été révisé, ça a été critiqué évidemment pas beaucoup de Tibétains. <laughs> Juste pour dire. Donc après, on vient donc à l'élection du prochain Kalun Tipa, devenu ensuite Sikyang, c'est l'Obsang Sangye, à partir de 2011 et jusqu'à 2021. Et on voit alors beaucoup plus de femmes euh, apparaître. Donc, euh, trois ministres, enfin beaucoup plus, non, trois ministres, comme dans les années 90. Donc, il y a Diki Chouyang, qui était euh, de 2011 à 2016 ministre des Informations et Relations internationales. Euh, donc, Diki Chuyang, elle est partie, euh, enfin, elle a migré euh, très tôt à l'âge de 4 ans au Canada, enfin, avec ses parents, hein, où elle a étudié et travaillé comme traductrice. Elle est d'ailleurs francophone. Euh, puis, il y a Gary Jolma, euh, qu'on retrouvera ensuite, qui est donc élu, euh, nommé euh, ministre de l'Intérieur de 2011 à 2016. Et puis, euh, Pema Yangchen, qui est docteur, euh, qui est l'ex vice-directrice de l'Institut du Dalai Lama à Bangalore, plutôt euh, d'un milieu éducatif. Euh, mais on voit là aussi aucune femme ministre dans le département de la sécurité, ni dans ceux de la finance et de la religion et culture, ni d'ailleurs de secrétaire bon, euh, dans ces ministères qui, que les hommes se sont bien gardés jusque-là. Donc, venons maintenant enfin euh, au gouvernement actuel, constitué donc euh, le cabinet euh, de 75% de femmes. Donc, Pemba et, et je dis bien, hein, moi je suis neutre, hein, je, ça m'est égal, je, je, je vous dis juste des informations que j'ai par les Tibétains, mais moi je ne soutiens personne, hein, je suis bien obligé de vous donner un peu les programmes, etc., mais ce n'est pas pour faire de la publicité. Hein. Donc, Pemba c'est l'actuel Sikyong, a déjà exprimé dans son manifeste d'élection son souhait d'avoir un minimum de trois femmes dans son cabinet, ainsi que, si possible, la moitié de représentants femmes à l'étranger, donc dans ses offices of Tibet. Ce qui est un peu plus compliqué, car il faut attendre d'abord que ces postes se libèrent, avant de pouvoir nommer de, de nouvelles femmes. Mais il a déjà nommé trois à Bruxelles, Genève et en Afrique du Sud. Il pense qu'il est important de créer plus d'opportunités pour les femmes plus généralement, euh, et il pense aussi que c'est ce que le Dalai Lama voulait déjà quand il a introduit la charte. Il a déjà contacté aussi le Women's Empowerment Test pour comprendre pourquoi les femmes abandonnent la politique lorsqu'elles atteignent des postes plus élevés. Ah, c'est les femmes qui sont un peu fautives, de... mais bon, voilà. Donc il essaye de travailler, enfin, c'est ce qu'il s'exprime ainsi. Euh, mais pourquoi donc femmes, euh, trois femmes au total et aucun homme finalement en tant que ministre. Donc il y a une explication, c'est peut-être pas si exceptionnel et si révolutionnaire que ça. En octobre 2021, donc lors de la première session parlementaire du 17e Parlement, celui qui est actuel, euh, il y a eu les approbations des nouveaux ministres par les députés. Donc, il faut les approuver d'abord et il faut 50 des votes, je le rappelle. Donc les trois ministres femmes ont été approuvés sans faute par le Parlement. Mais deux des candidats hommes, donc l'ex-calen Tuktenlundric euh, Lex et Tsuchim Dorje, qui est ex-directeur à TCV, n'ont pas réussi à obtenir les 50% des votes. Et puis un troisième, le député Niu Doge, a été rejeté par un grand nombre de députés qui euh, sortaient carrément de la salle en citant son incompétence. Et un quatrième candidat proposé par la suite... N'a pas pu être mise en place en raison du départ à la retraite de l'officier de la justice suprême, qui doit encore approuver aussi de son côté. Euh, il ne reste alors que les femmes, ce qui n'est pas a priori un problème, car les départements sans ministre sont présidés soit par le Sikyong lui-même, soit on peut avoir un double ministère, enfin un double département en tant, en tant que ministre. Ça s'est fait dans le passé, mais là. Euh euh, le parti pris du Sikyong était très clairement les femmes enfin, prennent chacune un, un, un département et le restant, les quatre départements restants, c'est le Sikyong qui s'en occupe lui-même, ou les secrétaires, d'où aussi la nécessité d'avoir des secrétaires. Euh, euh, Pempatsering dit aussi avoir choisi ces femmes en fonction de leurs compétences et aussi en fonction un peu de leurs âges pour être représentatif de la population tibétaine voyant maintenant un petit peu qui sont ces ministres. Donc D'abord, Kalen Garidon, ministre de la Sécurité. Donc euh, enfin, Un département où il n'y avait pas de femme auparavant, ni en tant que secrétaire, ni en tant que euh, euh, ministre. Elle est donc la première femme à occuper ce poste et en tant que telle, responsable aussi de la sécurité du Dalai Lama. C'est très, euh, enfin, très important pour les Tibétains, bien sûr. Elle est née dans la fameuse famille de Garidon, du Nyarong, euh, elle est la petite-fille de Gyari Chime Joma, euh, l'une des femmes qui a régné à côté de son père Onyarong, donc j'ai euh, mentionné tout au début, hein, une des femmes qui a régné. Et euh, elle est la fille de Gyari dodge qui est considérée un peu comme une héro héro héroïne, une camo, parce qu'elle a mené une révolte contre l'armée communiste au milieu des années 1950. Le frère de Gyari Joima est Lodi Gyari Rinpoche, que vous connaissez probablement tous. Qui n'est pas seulement une incarnation, mais qui s'est fait connaître comme politicien et envoi spécial du Dalai Lama. Bon, il est décédé en 2018. Euh, Gary a dit qu'elle a été fortement inspirée par les femmes fortes de sa famille et aussi par Jetsun Pema, qui, en rentrant du Tibet, elle aussi, elle était dans une de ses missions d'information au Tibet, est venue à TCV leur en parler. Gary Doma est sans doute la politicienne avec la plus longue et grande carrière. Elle a été d'abord activiste au Tibetan Youth Congress avant de devenir la présidente de cette ONG. Elle a été ensuite élue quatre fois comme députée, donc de, 2000, de 1991 à 2011. Au départ, elle était la plus jeune députée, à 26 ans à peine. Et lors de ses deux derniers mandats, elle a également occupé le poste de Deputy Speaker. Et elle était ainsi la première femme à occuper ce poste aussi. Elle s'est présentée ensuite en 2011 pour la première fois aux élections de Premier ministre, mais n'est pas élue. Elle accepte alors euh, un poste de euh, le poste de ministre d'Intérieur en 2011, sous l'Obsang Sangye. En 2021, elle se présente à nouveau aux élections de Premier ministre et elle est classée troisième après Pemba Tsering et Kedor Aokatsa. Elle ne, participe donc, elle ne participe donc pas au deuxième tour, mais est nommée ministre de la Sécurité par le nouveau Sikyon. C'est une candidate très dynamique et reconnue pour ses talents politiques par beaucoup de Tibétains. L'un des principaux axes de son travail de calme de l'intérieur, donc auparavant, consistait à assurer le logement des Tibétains dans toute l'Inde. Elle est considérée comme l'architecte en chef de la construction de maisons pour les Tibétains nouvellement arrivés à Bir, en Machal Pradesh. Elle a aussi œuvré en faveur du quartier tibétain à à Delhi, quand le gouvernement indien voulait récupérer les terres. Enfin, elle a aidé les réfugiés tibétains au Népal et au Bhoutan à sécuriser leur existence dans ces pays. Pour accélérer la génération des revenus pour les Tibétains, thème très important, hein, elle a développé les colonies tibétaines comme destination touristique à travers l'Inde. Et enfin, en 2015, elle a également organisé les festivals du Tibet. À travers les villes métropolitaines de l'Inde, en se concentrant sur les centres économiques, notamment les centres commerciaux, les centres-villes et d'autres destinations populaires. Elle est une négociatrice efficace et une diplomate à l'approche nuancée. Grâce à ses bonnes relations avec des politiciens indiens, elle a réussi à inclure la communauté tibétaine dans la liste des bénéficiaires de régimes de sécurité sociale dans plusieurs États indiens et au Népal. Parallèlement, elle rencontre et négocie régulièrement avec les plus grands diplomates et dirigeants du monde. Elle a une très très bonne réputation euh, parmi les Tibétains. Enfin, elle est également connue pour ses idées féministes et ses efforts en faveur de l'émancipation des femmes. Donc ici un petit extrait de son site internet. Elle est la première femme tibétaine à diriger le ministre de l'Intérieur et peut-être la femme la plus puissante de la communauté tibétaine en exil. Euh, elle euh, prévoit de promouvoir de plus en plus de femmes leaders et de les projeter dans les forums mondiaux pour faire entendre la cause tibétaine. Qui est toujours derrière, en arrière-plan, hein, parce que c'est quand même le sujet le plus important. Elle dit qu'elle aimerait voir plus de femmes dans la politique tibétaine, même des plus jeunes. Pendant les élections de 2021, elle avait un soutien important de la population tibétaine, non seulement féminine. Contrairement aux deux, autres, aux deux candidats sortants, Tsering et Kesang Okatsang, elle était perçue comme neutre. Tsering étant perçue comme ressortissant des Yapchis. Euh, et Kessang-Ukatsang, comme le chéri de Lobsang-Sangé, euh, qui était un bon ami à lui et qui l'a boosté pendant la campagne. Selon certains Tibétains, c'était une erreur d'accepter à nouveau un poste de ministre pour elle, car cela euh, la rend éventuellement non éligible dans l'avenir. Je viens maintenant à la deuxième, donc Al Talam Dolma, qui est ministre de l'Éducation. Il y a beaucoup moins de choses à dire n'est pas une pro de la politique. Donc d'abord, elle est née en, au Tibet, hein, donc en 1952 au Kongpo. Elle a fait un master en sciences économiques. Donc là, il faut vraiment se remettre dans le temps. Hein, C'est quelque chose assez exceptionnel à cette époque pour une femme née au Tibet encore qui n'avait été certainement pas scolarisée au Tibet. Elle a travaillé pendant 14 ans d'abord comme professeure d'économie, puis pendant 27 ans comme directrice d'école dans différentes écoles tibétaines à travers toute l'Inde. Elle est euh, alors l'une des premières femmes directrices d'école aussi. Donc, assez révolutionnaire. En 2003, elle a reçu un prix éducatif du gouvernement indien, puis du gouvernement tibétain. Euh, elle, a également, euh, elle a été également membre exécutif de la Tibetan Women's Association. Et après sa retraite, donc en 2012, elle a travaillé comme conseillère en éducation pour le gouvernement tibétain. Le Sikyang était son élève. Et maintenant, il est son chef. <laughs> au départ, comme elle était peu connue, le Sikyong l'a présentée même au public en disant Et elle, c'est ma professeure. Ça, c'est Pempatsering qui m'a dit ça. Euh, je viens à Kalun qui est donc ministre de l'Information et des Relations internationales. C'est la plus jeune des ministres, mais elle a été choisie par Pempatsering en raison de sa profonde connaissance du département. Euh, elle a une quarantaine d'années, elle a fait d'abord un master en anglais en Inde, puis elle a travaillé comme chercheuse au Tibetan Center for Human Rights and Democracy de 2000 à 2007. Et à l'époque, euh, ce Tibetan Center for Human Rights and Democracy faisait partie du département des informations et relations internationales, ou en tout cas était dans les mêmes lieux et il y avait beaucoup d'échanges. Elle est ensuite partie étudier aux États-Unis, à Columbia University, avec une Fulbright Scholarship, euh, accompagnée de son mari, euh, qui lui avait euh, a étudié à Harvard. Et elle y fait un Master of, uh, of Arts, Law and Democracy. Elle est ensuite retournée en Inde pour travailler euh, au département de l'information et des relations internationales, cette fois-ci directement. Puis elle a pris un congé de maternité pour la venue de son deuxième enfant. Euh, et elle est repartie avec son mari aux États-Unis, euh, était donc maman. Elle a été ensuite rappelée par le Sikkim pour ce poste de ministre en 2021 et rentre en Inde. Elle aussi, elle a été enco encouragée par son père dès son enfance. Euh, son père ne voulait pas qu'elle fasse des menus travaux comme les autres filles, mais beaucoup d'études. Donc, dans le passé, elle avait euh, été demandée à se présenter déjà comme députée, mais elle avait refusé. Elle n'était pas vraiment intéressée par la politique, elle dit. Aujourd'hui, elle reçoit beaucoup de retours positifs sur son travail, plus que des critiques. Bien que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui n'avait pas été connue, ni de photos qui circulaient d'elle, elle était euh, inconnue, euh, d'autant plus qu'elle était aux États-Unis au moment où elle a été appelée. Il y a aussi de plus en plus de femmes tibétaines engagées euh, dans la politique de leur, de leur pays d'accueil. Donc, ben, au-delà de l'Inde, au Népal, de toute manière, il n'y en a pas. Donc, juste pour vous donner rapidement des exemples, Bhutila Karpoche, qui est la première députée d'origine tibétaine, à, à, à Member of Provincial Parliament, élue à Toronto en 2018. Euh, elle brille pour les Tibétains parce qu'elle a même introduit le Tibetan Heritage Month <laughs> en 2021. Il euh, y a ensuite Chemi Lamo, qui est arrivée en deuxième place lors des élections pour le Conseil municipal de Toronto en 2022. Euh, elle a été en outre ex-présidente d'un syndicat d'étudiants de l'Université de Toronto en 2019, et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les, euh, dans les médias on parlait à l'époque parce qu'elle avait été attaquée par des étudiants chinois, parce que c'était une Tibétaine qui était la présidente, bon, pour les Tibétains c'est une héroïne parce qu'elle s'est bien défendue, et puis un troisième exil, uh, Kinzom Dongdu, qui est une ex-députée du Parlement tibétain en exil, mais pour euh, l'international, donc pour l'Australie. Euh, elle est la première tibétaine à se présenter aux élections parlementaires en Australie en 2021, mais elle perd aussi, elle, a pas, enfin, mais elle, elle compte continuer. Euh, quelques mots sur les leviers pour la responsabilité politique des femmes. J'ai déjà parlé un petit peu euh, de la Tibetan Women's Association. L'une des grandes euh, ONG tibétaines à côté du Tibetan Youth Congress qui organise des workshops pour engager les femmes de participer notamment dans le leadership. Euh, et on voit bien dans les carrières de ces politiciennes, plusieurs d'entre elles ont d'abord occupé des postes importants euh, dans cette euh, Women's Association. Malgré cela, euh, la Women's Association se mêle peu dans la politique selon certains députés, euh, ne pose pas des questions, n'amène pas des sujets à discuter au Parlement. Donc, euh, et euh, c'est regrettable, selon certains politiciennes. Après, euh, pour ce qui concerne le, les carrières de ces femmes politiciennes, d'autres sont passées par le Tibetan Youth Congress, comme Gary Doma, par euh, Students for Free Tibet, et, euh, et évidemment aussi les associations provinciales Utsang, Doteu et Dome. Euh, il y a aussi le Women's Empowerment Desk, où il n'y a pas vraiment de politiciennes là, c'est vraiment des salariés, des employés assez simples. Enfin, choisis évidemment par rapport à leur profil, mais c'est pas des élus ni des nommés qui y travaillent. C'est une institution qui, dans son état actuel, hein, est considérée par beaucoup de Tibétains comme un top-down euh, qui manque aussi de financement. Il n'y a que deux, parfois trois employés. Euh, plusieurs politiciennes m'ont dit qu'elles souhaitent plus de pouvoir pour ce bureau et notamment plus d'employés, mais aussi un autre nom, plutôt euh, de l'appeler euh, au lieu de Women's Empowerment Desk, Gender Equality Desk, mais quelque chose qui inclut aussi les hommes et qui ne met pas les femmes à part. Euh, sinon, plusieurs politiciennes m'ont aussi avoué euh, ou dit euh, qu'il y a un souhait d'avoir plus de soutien et de la compréhension de la part des partenaires. Pour l'instant, ce sont surtout... Euh, non, c'est assez intéressant. J'ai demandé cette question à toutes les politiciennes qui ont des enfants, mais comment vous faites pour les enfants Est-ce que vous avez du soutien, etc. Tout le monde m'a toujours assuré que les partenaires sont formidables, ils font tout à la maison, etc. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce sont les mères, les belles-mères qui sont derrière, éventuellement des babysitaires. Donc je pense que les partenaires ne sont pas un, un formidable soutien là non plus. Et pour finir, donc euh, on peut se poser la question de où se situe le plafond de verre, hein, le glass ceiling pour les femmes dans la politique. Donc pas de section femmes pour l'instant, c'est clair. Euh, des femmes ministres de plus en plus présentes, mais il faut voir dans la continuité si c'est une exception ou si c'est quelque chose qui va être gardé par la suite. Un parlement avec 10 députées euh, femmes sur un total de 45. C'est toujours peu comparé à d'autres pays. Hein, on a vu avec euh, le taux global dans le monde. Euh, par exemple, le Women's Empowerment Desk, aujourd'hui, et il y a des femmes formidables qui travaillent dedans, plaident pour une augmentation à trois sièges réservés pour les femmes par province. Et surtout, pour l'instant, jamais aucune femme parmi les sièges réservés aux religieux. Toute, euh, toute école bouddhique confondue et les mêmes pots. Et là, le Women in Empowerment Test, dans un rapport assez récent, plaide pour une réservation de deux sièges pour les nonnes. Ça va être beaucoup plus difficile <laughs> à mettre en place, moi qui connais bien les nonnes. Et, et surtout, quelle est l'école qui laisse deux sièges ou un siège à une femme Donc, euh, ça va être des négociations âpres. Euh, je m'aperçois aussi plusieurs. Une politicienne me parle d'un manque de sororité ou solidarité entre députés, entre députés et ministres femmes. Hein, donc, quand euh, bon, les femmes se mettent ensemble pour négocier euh, des sujets relatifs aux femmes, qu'on qu peut arriver à changer quelque chose, il y a très peu, selon les, certaines politiciennes, du moins pour l'instant. Et puis, au fur et à mesure que la représentation numérique des femmes au Parlement tibétain augmente éventuellement, des recherches supplémentaires seront nécessaires sur les liens entre la représentation numérique et la représentation substantielle. Donc, euh, euh, travailler sur des questions de femmes. Et je vais m'arrêter là.